Dalida a une carrière hors du commun, mais une vie personnelle très tragique, où elle enchaînait les histoires d'amour avec les plus grands, comme Alain Delon, François Mitterrand et également Mike Brandt. Les deux artistes ont en effet vécu une liaison à l'abri des regards, tentant de cacher leur histoire au public, sans grand succès. C'est Fabien Lecoeuvre qui le dit dans TPMP. Ils se sont rencontrés au Festival de Venise de la chanson et elle est tombée en admiration de Mike Brandt, rappelle-t-il, en mentionnant qu'elle lui a d'ailleurs demandé de faire sa première partie en France. Il y a une archive en télévision qui est triste chez Michel Drucker. C'était dans Rendez-vous du dimanche. Ils étaient invités tous les deux et elle lui jetait des regards, et lui aussi. Mais ils n'osaient même pas se regarder. Et il révèle, quand des gens couchent ensemble à la télévision, ça se voit, on ne peut pas le cacher. Et d'après lui, les images de l'époque parlent d'elles-mêmes, et il était impossible d'ignorer leur liaison. Comme quoi, les tourtereaux n'étaient pas aussi discrets qu'ils le pensaient.